Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Prey sur PC. La dernière fois on s'est arrêté là, et on va donc tout de suite pouvoir reprendre. Donc là il y a eu la mise à jour de Prey, j'espère que ça va être un peu mieux au niveau des stutters, on va dire. C'est comme ça que cela s'appelle. On va bien voir cela. Je te vis assez rapidement de toute façon. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que oui. J'en étais sûr. Vous avez trouvé un autre moyen d'accès. Bravo. Une grande partie de la technologie de cette station est conçue ici. Équipement scientifique, pièces sur mesure, prototype. Nous devrions pouvoir réparer votre terminal miroir à l'atelier du Dr Calvino. Il y a une brèche dans cette partie du laboratoire. Aucune atmosphère, aucune gravité. Vous pourrez l'atteindre en passant par le sas extérieur de l'atelier mécanique. Mais d'abord, il faudra installer un système de propulsion sur votre combinaison. D'accord. D'accord, c'est nice en tout cas, ça permet de monter et descendre. Pour le Medicentre. Hein. Pour le moment, je vois toujours plus. Enfin, je ne vois plus les incidents de 30 FPS. C'est déjà ça de fait. Ça m'a l'air d'être un peu plus correct niveau. Niveau FPS, bon après on est qu'à 2 minutes hein, donc on peut pas vraiment dire, mais... Saloperie. On perd quand même encore les petits FPS, mais au moins on ne passe plus à ce qu'on avait avant. Quoi. D'accord, atelier mécanique là-bas. Le reste, c'est quelques petites incidences du 60 FPS, mais ça, c'est pas grave. On en a rarement maintenant. Oui, c'est là-bas qu'on pouvait pas laisser ça. Eh ben, c'est une vision qu'il a. On attend un peu. Il a l'air d'être mieux en tout cas, vraiment. Ah.
oui, je comprends. Je comprends, d'accord. Je sais pas pourquoi, mais ça gueule dehors. Bonne nouvelle, on va dire. Ça, c'est très très bien. C'est vraiment notre âme à tout faire. Hein. Ah, ça fait du bien de plus avoir les 30 FPS qui reviennent. Oh, trop bien. On mettrait bien entendu sur pause, j'aurais peut-être dû laisser un petit peu plus de temps. Qu'on puisse y mettre sur pause, parce que là ça va être chaud. Allez, oh, ça veut pas tomber celui-là. La bobadistique, d'accord. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Oh, j'en vois. Je crois que j'ai deux clés. Ouais, j'ai deux clés. On va mettre ça là-bas. Ça. D'accord. Je fais le tour. Hein. RGDM. J'ai l'impression qu'ils ont pu arriver jusqu'ici. Matériau organique.
ça. Je suis sûr que je serais capable de me bloquer à l'intérieur. J'ai bien tout vu dans le labo balistique. J'ai l'impression, ouais. Ouais, donc le 30 FPS a disparu, il y aura juste la petite bête de FPS. Qui est complètement vivable, hein. Je trouve. Hein. Oh merde. Parce que j'ai prévu, mais ok. Marche quand même. La porte n'est pas alimentée. C'est difficile. Bien ces différents choix possibles communs. Un peu de temps, je sais pas déjà. Comme un Deus Ex, voilà. On va allumer le courant. On voit pas l'intérêt de l'éteindre en fait, du moins pas pour le moment. À moins que... La brûle, je sais... Non, non, parce que tout est... Ah ouais, ça sert juste à l'éteindre si on a une force de force physique 3. Alors là, je sais qu'il y en a un. Voilà.
Piou 5. Organique. De la glu. Nice, une nouvelle puce. Dégâts de feu. Vraiment pas d'objet. Bizarre. Bien sûr, pas d'espace. Faire du recyclage. De canon glu. Ça c'est recyclé. Ici il n'y a plus rien. Donc la scène de présentation c'est bon. C'est que là il y a quelque chose là-haut. Allô? Hey, c'est Langley. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'anormal? Non. Comme quoi? Je voudrais pas vous effrayer. Qu'est-ce qui se passe? J'en suis pas sûr. Les gardes courent dans tous les sens. Donc tout le monde travaille encore là-bas. Je suppose. J'en sais rien, j'ai passé la journée au labo. Attendez, je regarde. Je... C'était quoi ça? Oh mon dieu, je crois qu'on vient de perdre deux labos. Quoi? Je dois y aller. Docteur Thorstein. Bon sang, où êtes-vous? Dans l'atelier mécanique, j'étais... Je viens d'entendre une explosion. Oubliez ça. Prenez tout ce que vous pouvez et venez dans mon bureau. Nous devons évacuer. Comment? Qu'est-ce que... Les neuromodes, des matériaux exotiques. Ne perdez pas de temps. Retrouvez-moi dans mon bureau. Bien, monsieur. Oh, et apportez le canon glu. Voilà. On continue, on continue. Donc on remonte. Ça, c'est une défaite. En ce temps, ça va. Les screamers sont assez calmes. Dr. Calvino. J'essaie de voir où je pourrais passer. On va s'occuper de la zone en haut, premier lieu. C'est bon, j'ai pas encore accès au laboratoire rayon et onde. À l'atelier mécanique, où il va y avoir un paquet de monstres. Oh non, c'est pas loin, je pensais pas. Quand on veut connaître les mécanismes d'un objet, il faut le démonter. Ouais, je suis pas un objet. Je peux pas me démonter. Oh,
enregistrement de l'autodiagnostic. Liste. Protocole de réparation et de maintenance. Fichier introuvable. C'est radioactif. Processeur volitif parallèle, désynchronisé. Je comprends. Oups. Ok. Je dois vous éteindre. Quoi réparer? J'ai bien l'impression, ouais. Voilà. Y a rien là, non? À chaque fois, je fais un vœu à chaque fois. C'est fou, je viens d'entendre le tuteur d'un mec qui est dehors depuis avec mon casque. Il a fait, c'est fou quand même. Pas assez de force. Alors, attendez, j'ai combien de neurodes exactement? Enfin, neuromode, pardon. Faut vraiment les forces supérieures. Entendu, vous inquiétez pas.
où es-tu, son frère? Comment soigne ça? Y a rien pour soigner ça. Ici un kit de soins, même si je sais pas si ça me pourra me soigner. Non. Put. Qu'est-ce pour me soigner de ça? En soignant la combinaison? Non plus. Demande de nouvel opérateur. Opérateur ingénieur constant. Inspection en cours. Votre combinaison est réglementaire. Veuillez vous éloigner de l'ouverture. Ah, flûte. Attention, vous allez. C'est pas le bon, c'est pas le bon. Pas le bon. Déplacement. D'un verrou manuel qu'il faut désarmer avant de pouvoir sortir. Ce système conçu par mesure de sécurité n'a plus aucune utilité lorsque l'ennemi est déjà dans la station. Si vous sortez, n'allez pas trop loin, car les typhoons pourraient déjà avoir atteint l'extérieur. Et n'oubliez pas, les autres SAS que vous croiserez devront avoir été au préalable déverrouillés de l'intérieur. Une dernière chose, votre combinaison n'est pas encore équipée d'un propulseur. Vous en aurez besoin pour vous déplacer. J'essaie juste de voir un minimum. Saleté, il y en avait deux. C'est faisable, j'ai dit. Non, on y retourne.
tu reviens. On transforme. Comme ça pour le moment. J'arrête de me tromper de touche. Je titube. Hein. On va construire une option. Opérateur à l'approche. Allez. OK. Comment d'aller là? Ah, je peux pas réparer. Aussi peur. Hein. Encore un stock. J'en ai assez, cartouches de fusil à pompe, j'en ai pas assez. Moi j'ai encore beaucoup d'objets de toute façon. Mais sérieusement, t'as copié des bavis toi? Mec, quoi? C'est cru où? À l'extérieur de Talos. Talos 1. On va voir comment ça va se passer. 385 000 km de la Terre, eh oui.
Microgravité détectée. Ah bah merde alors. Bon, je vois, d'accord. Aller par là-bas ou pas? Ah ouais, très bien. Qu'une donnée, il m'étonne. Hein. Chillé quand même. Je pense que c'est un cops. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses dans l'espace, mais on s'intéresse pas de ça pour le moment. Alors, c'est assez bizarre les contrôles quand même. Détaché ici. Ah non, c'est une bouteille d'eau de ça, c'est pas ce que je veux. J'entends. Je suis pillé comme un ouf. Rue de ouf. Pas facile de se diriger. Cher docteur. Léon, ici. Vous l'avez trouvé. Rien d'étonnant. Beau travail.
ici le docteur Calvino. Ça va? Pas vraiment. Je ne me sens pas dans mon assiette. Je ne pense pas pouvoir prendre mon service. Très bien. Est-ce que vous voulez quand même que je finisse cette matrice? J'ai fabriqué des tonnes de verre. Une matrice? Je ne me souviens pas. Vous m'avez demandé de fabriquer une nouvelle matrice. Vous avez dû mal comprendre. Est-ce que... Honnêtement, je préférerais que vous laissiez mes expériences tranquilles en mon absence. Entendu. Écoutez, j'ai un message que vous m'avez laissé. Franchement, j'aurais pas fait tout ça si vous n'aviez pas... Non, non, bien sûr. Je me souviens maintenant. Pour l'instant, laissons. Aucune importance. Aucune importance? On en parlera demain. Mio, ici le docteur Calvino. Je suppose que vous dormez, ou que vous m'ignorez. Je voudrais juste... Je serai un peu en retard pour ma garde de demain. Mais dès demain matin, je voudrais que vous commenciez à construire une nouvelle matrice de micro-lentilles. L'ancienne ne vaut vraiment plus un clou. Prenez ce dont vous avez besoin à l'atelier mécanique. Et si ça fait râler Clive, prenez tout dans le casier quand il aura le dos tourné. Je ne suis pas censé connaître le code, mais je vous l'envoie quand même, au cas où. Ok. Voilà. Retourne là-bas. Oh, la flûte. Il y a les humains, la télépathie là. Va passer là. J'arrive. What? Ah, c'est lui, d'accord. Oh. Ouais, c'était quelqu'un d'autre. Charge, déjà fait. Pire. Il y a rien. On est déjà passé par là-bas, par l'extérieur. On va monter en haut, mais non, on va aller en haut. Plus honnêtement, je crois. Allez, au laboratoire rayon et onde. Sérieusement? Vraiment? Non, je l'ai pris, c'est obligé. Non, ça doit être un bug. J'espère. Même les validations de 4 ça fait peur. Nice.
terre détruite, je veux le papier français, voilà. Le pays quoi. On peut passer par là. Allez, viens. Allez, viens. Changer un peu l'ordre des équipements. Quatre. Cinq. Six. Attendez, je suis vraiment en train de me poser la question, est-ce que je leur ai oublié la carte? Vous savez quoi? On va retourner là-bas. On est là-bas. Je veux être sûr de l'avoir. Allez. Microgravité détectée. On n'a pas grand-chose à faire. C'est où? Je ne retrouve plus la zone. C'est juste là-bas. Si elle était bien encore là, je ne sais pas. C'était pas elle en fait. Donc où est-elle? C'est à l'étage en dessous?
tâches de niveau 3 nécessaires, ouais. Bien sûr, il va falloir que je revienne ici. Ah, il m'a tête. Aussi que je me soigne. On s'ouvre, on retourne là-bas. Alors, comment on va faire? Allez. En tout cas, on a plus de 30 FPS, ça c'est bien. Je dis ça, je viens d'avoir quoi? Non, c'est bon, c'est normal. Parce que le processeur charge. Heureusement, j'ai de quoi me soigner. Enfin, pouvoir y aller. Est-ce que c'est rechargé celui-là? Oui, il est rechargé, pas celui-là. Oré, 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 pire, vous assoit. Et à son propre nom, on empêche les thermos. Hein. Notre personnage est en train de rêver en fait, je me fais penser parce que... C'est flou quand même. Ça, je l'ai lu, non? Pas de courant, normal. Je l'ai pas encore allumé. Thank you.
Beau travail, Morgan. Les écrans miroirs sont de nouveau en ligne. Retournez le plus vite possible à votre bureau. Vous devez absolument écouter la fin du message. Je vous retrouverai là-bas. Ouais, attends un petit peu. Ça enregistre. La colorimétrie semble un peu chaude. Où est le photomètre, le portable? Vous l'avez pris? Non. Hier, on en avait deux. Et aujourd'hui, on n'en a qu'un seul. On en a toujours eu un seul. Mais c'est absurde. Vous avez oublié? Partez ? Je croyais qu'on avait terminé. Bon, alors très bien, éteignez-le. J'ai l'impression que vous m'en voulez. Non, je crois... Vous avez raison, il se fait tard. Allez vous coucher. Vous allez pas vous reposer ? Me reposer ? Ah, ne vous inquiétez pas, je vais terminer. Très bien, on se voit plus tard, je suppose. Ouais, vous supposez. Pardon ? Vous dites toujours « je suppose ». Ça a marché, je suppose. On se voit plus tard, je suppose. Vous êtes une scientifique, arrêtez de supposer. Affirmez. Ou taisez-vous. C'est tout. Bonne nuit, docteur Calvino. Il en piscatore. Pas très aimable, ce vieux grinch. D'accord. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, mais surtout vous abonner à la chaîne. C'était The Stealth, moi chez Diman HD. Passez une bonne journée, bonne soirée. Vive les jeux vidéo. Trop bête touche.